savais que j'étais enceinte, mais je savais pas du tout ce que je devais faire. C'est toujours la découverte et de se dire, est-ce que tout va bien se passer? C'est une première grossesse, donc c'est l'inconnu. Un accouchement, ça se prépare. C'est la préparation, certes, à mettre au monde le bébé, mais aussi c'est la préparation à accueillir le bébé. En fait, il y a 7 séances de préparation à la naissance pour toutes les mamans, prises en charge à 100% par la Sécurité sociale. En général, en fonction du risque qui peut être établi en début de grossesse, donc par l'entretien du premier trimestre ou alors la consultation d'orientation, des grossesses dites à bas risque peuvent être suivies en ville en général jusqu'au 8e mois. Ce que l'on demande systématiquement aux professionnels de santé libéraux, c'est de bien vouloir adresser les patientes dans les maternités dans lesquelles les patientes vont accoucher à partir du 8e mois, de façon à assurer les deux dernières consultations dans la maternité où les patientes vont venir accoucher. Une fois qu'on a fait l'entretien, donc on a à notre disposition le dossier obstétrical des réseaux. Donc en fait, ce dossier, il va suivre la maman. C'est-à-dire qu'on donne le dossier à la maman à chaque consultation. On le donne également, on fait un petit résumé très succinct de l'entretien. Et donc, si un autre professionnel doit voir cette maman ou doit intervenir, il a tout le suivi à sa disposition. Et j'ai dû d'ailleurs aller aux urgences de temps en temps, et donc j'y allais avec ce dossier, et il savait où j'en étais dans ma grossesse, il savait tout le détail de ce qu'on avait pu voir les derniers mois.